Monsieur le Grand, vous présentez Saga Daydream. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette jument qui arrive d'Espagne? C'est une jument que je connais pas beaucoup. Elle n'a pas encore couru pour moi. Après, ses performances en Espagne sont pas mal. Maintenant, les lignes sont compliquées à faire là-bas. Je ne sais pas si elle est compétitive à sa valeur en France. Ouais, ça va être une course test. Elle est arrivée quand chez vous? Elle est arrivée il y a quelques mois, la date exacte, je ne sais D'accord, plus. ouais. Bon, elle a été un petit peu en vacances en arrivant, elle avait besoin de souffler un petit peu. Puis après, on l'a repris gentiment et voilà, la jument est bien, elle est prête à faire une entrée, elle a très bien travaillé. Elle a été acquise à des ventes, non, par son propriétaire ou non, pas forcément? C'est une jument qui avait été achetée à réclamer, qui était chez Monsieur Pellissière. Ouais. Et après, Jean-Christophe Daoudal l'avait mis à l'entraînement en Espagne. Il a un programme intéressant pour l'année 3 ans. D'accord. Et donc voilà. D'accord, elle n'a pas changé de propriétaire entre-temps, en effet. L'Espagne était déjà sous ces couleurs-là. D'accord, donc là, bah, vous en saurez plus. Et le matin, l'entraînement, ça se passe comment? Elle se comporte très bien. D'accord. Rien à signaler. La jument est tout à fait normale et travaille normalement, proprement. D'accord.